qui était beaucoup plus présent dans la mouvance UPCP. Marguerite, tu veux bien? Oui, je veux. Mais moi, je ne vais pas vous raconter mes 70 ans de vie associative parce que c'est un petit peu trop long. Alors, j'écume. Je vais résumer, mais je vais quand même partir d'André Paché, puisqu'il est là, très présent. J'ai connu André en 1955. Tu vois, tu le savais pas. Tu l'as connu avant moi, mais bon. J'ai connu André en 1955. Encore les autres. Dans un domaine très différent de celui qui nous intéresse aujourd'hui. C'était avec Jean Nazet, dont François maintenant connaît l'histoire. C'était l'époque du livre vivant. Et André était jeune prof sorti juste de l'école normale. Et il était dans son premier poste à Chef-Bouton, avec Pancouteau, son directeur de collège. Et donc Nazet avait monté comme livre vivant le Père Goriot. Et André faisait Rastignac. Voilà. Et c'est là que j'ai connu André en 55. On s'est perdu de vue, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu tout un tas de choses, hein, la vie a fait que. Voilà. Et puis, moi j'étais instite à OG depuis 54 déjà, et on s'occupait beaucoup de théâtre à ce moment-là. Voilà. J'avais un mari qui était quand même très, très, très intéressé, plus qu'intéressé par ses racines poitevines, parce que ses parents étaient agriculteurs. Il aimait la musique, et voilà. Et le jour où Michel Alonneau, qui était un jeune à Auger, et qui faisait partie du même groupe que vous, est revenu, alors on dansait évidemment Danse d'Israël, comme tout le monde, Pologne et compagnie, et tout le monde a été d'accord pour dire en 66, je pense, oui, on va, ça y est, se lancer dans l'histoire. Et les Piboulou étaient venus à Auger. Donc, belle occasion, tout le monde se lance dans l'aventure. On a créé des vocations. Hein ? On a créé des vocations. Ah oui, 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 bien sûr. Et en 67, La Marchandelle est née à Auger. La Marchandelle, groupe de l'UPCP, voilà, qui a tout de suite fonctionné avec un nombre assez intéressant de gens. On était bien 40-45 au total qui fonctionnaient. Voilà. Donc, on s'est lancé là-dedans. J'ai pris la suite à Christiane après la création du PCP au secrétariat. André s'est mis à la musique. Et pensant André Morisson s'est mis a repris son violon parce qu'il en avait fait autrefois. Oui, il faut que je dise, que je précise. Hein. Et donc, voilà. Et moi, ben, je me suis mise aux coiffes, pensant que mon mari n'était pas bon pour les tuyauter. Voilà, donc je me suis mise aux coiffes. Voilà, donc apprentissage aussi, les coiffes. Voilà, qui a pris du temps, beaucoup quand même. Hein. Et puis, en 70... 69, il y avait un stage à Coulon quand même. Hein. Ben, 69, c'est l'année de création de l'UPCP. Hein. Oui, c'est l'année où est né l'UPCP, en 69, au château de Brégion. En janvier 69. Hein. Donc voilà, et en 70, stage de loin, dont on a parlé ce matin. Et puis en 71, eh bien, on lance l'opération au stop. Et c'est à partir de ce moment-là qu'André me dit, écoute, il faut aller à Noirmoutier, j'ai une adresse, j'ai un nom, alors t'y vas, puis tu te débrouilles. Alors je suis partie à Noirmoutier, rendez-vous en terre inconnue, pour reprendre un truc, et je suis partie à Noirmoutier, avec donc, en février 71, il y avait à ce moment-là le stage à Cerizet, le stage à Cerizet et le stage à Saint-Laure. Alors, c'était déjà éclaté pas mal. Hein. Donc je m'en vais. On était neuf au départ. Cathy, ma fille qui avait 18 ans, avait juste son permis. Elle avait quatre personnes qui étaient plus jeunes qu'elle dans sa voiture et moi j'en avais cinq. Donc nous voilà partis à 4 heures du matin à cause du gouas. Parce qu'il y avait la marée à respecter. Bon.
Et dans les, alors dans l'équipe, il y avait Gérard Baraton, il y avait Pibol, il y avait voilà, Babette, Claude Jorinier, ben, tu vois, des 15 ans, 16 ans, 14 ans. Voilà. Et on m'avait donné l'adresse de François Ganachou. C'est tout. Donc tout de suite, dès le lendemain, on prend possession de Barbâtre, de la cantine de Barbâtre, où on couchait sur des matelas pneumatiques, et puis ma foi, et où la cantinière nous faisait la popote, et on s'en va voir François Ganachou. Alors pour vous dire, le petit François Ganachou, c'était quelqu'un qui n'était pas très gâté par la nature. Il était infirme, mais très infirme, très très infirme. À l'époque, j'avais une R16, il avait toutes les difficultés du monde pour monter dans la voiture. Petit, bossu, enfin bon. Mais alors, son île, il la connaissait sur le bout des doigts. Donc, je vais le voir, il me dit, bon, demain matin, on va à la bosse, on va voir Marie Mandin. Et voilà parti à la bosse, alors là, Marie Mandin, découverte. Moi, j'aurais pu être Mireille Mathieu, m'a-t-elle dit en arrivant. Ça aurait été dommage. Oui, ça aurait été très dommage. Et donc, voilà. Et puis, Marie Mandin, qui tout de suite nous met à mimer le travail des sauniers, à danser la bachule. Chez nous, il y a viande, chez nous, dans un coffre. Enfin, voilà. Bon, on était, moi j'étais éblouie complètement, et on était trois, il y avait Babette qui prenait les notes, Jorinier, ben moi je faisais les photos, j'interrogeais, enfin bon, on se débrouillait comme on pouvait. Hein. Et le lendemain, François Ganachou, indisponible. Bon, moi, je dis, qu'est-ce qu'on va faire? On va, allez, on va à l'autre bout de l'île, on va aller vers Barbâtre, on n'y est pas allé, on va voir... On va à l'autre bout de l'île, et là je vois un pépé sur la muraille, à côté à la muraille, avec sa pipe tirée sur sa bouffarde. Pépé qui avait bien à l'époque, allez, 75 ans. Je m'arrête, puis je lui dis, voilà ce que je cherchais. Puis il n'arrête pas, il me fait... Alors je regarde dans la direction. Croix verte. C'était le nom de la rue. Bon, j'ai dit, il y a quoi là? Croix verte. Je vais dans la rue de la Croix verte et je tourne dans la première cour, à droite. Et qu'est-ce que je vois? Magazine, ouais, sur le seuil de sa porte, ouais, avec son petit foulard blanc, ouais, sa canne. Bon, mais j'ai dit, c'est là quoi. Alors, nous voilà, on se présente. Oh, elle était mais heureuse. Elle n'était jamais montée en voiture. Elle n'était jamais allée au bout de l'île. Elle n'était allée qu'à Noirmoutier à pied pour vendre ses petacs. Et là, on a eu droit à un festival, mais d'entrée. On a même, j'ai pas eu le temps de lui expliquer. Ça fusait continuellement. Alors, j'ai dit, bon, moi j'étais très intéressée par les costumes, donc. Je regarde un petit peu comment elle était habillée. Alors je regarde, je me dis, vous permettez que je regarde. Ah oui, oui. Il y en a sept, Camille. Sept jupons. Trois paires de bas, sept jupons. Alors, bon, j'ai dit, est-ce que ça vous ennuierait que Jean-Pierre, un copain, vienne vous voir pour les costumes? Ah, ben non, que détail, il ferait voir tout. Il ferait voir tout. Donc Jean-Pierre s'est amené dès le lendemain. Et effectivement, alors Magazine, on organise. Alors j'avais vu en plus, entre-temps, bon, on avait découvert Linette Gendron, on avait découvert Madame Corbrojo, on avait découvert Florentine Palvado. Léontine. Alors Léontine, pas encore, après. Léontine, c'était après, oui. Et puis, donc je dis, voilà, on fait une veillée, quoi. Il faut faire une veillée tout de suite. Tout le monde est venu à la veillée. La Magazine s'est mise debout, 87 ans quand même, hein, avec ses sabots et ses sept jupons, nous a dansé une ronde de Noirmoutier. Alors je téléphone à André, j'ai dit, écoute, tu viens avec un annuaire, parce qu'on ne peut pas fournir, quoi, ça fusait de partout. Ben, il me dit, oui, mais je ne peux pas arriver avant, parce qu'il y a la marée. Bon. Donc il est arrivé à 10h à la veillée. Et André était fou. André était fou
de voir ce foisonnement. C'était l'ambiance, quoi. Et de l'ambiance, et alors, tout était mené à la goule. Il y avait un instrumentiste dans l'île, c'était un accordéoniste, et la mère m'en dit, Mandin m'a dit, oh, vient du continent. Autant dire que ça valait pas grand chose. Hein. Néanmoins, hein. Il y avait un sacré paquet d'accordéonistes à l'époque. Oui, mais il y en avait qu'un qui était venu à la veillée, et puis il m'a dit, oh, m'a dit, pouf, je viens du continent. Ah oui, oui. Ah oui, oui, il y avait plus d'accordéonistes. Voilà. Alors la première veillée, c'était ça. La mère Mandin, donc Marie Mandin, mimant le travail des sauniers. Maguzite dansant la ronde. Marie Mandin reprenant la bachule. Enfin, etc. C'était deuxième. Le lendemain, même chose. Et quand on ne voyait pas, c'est ma voiture. Linette Gendron laissait ses patates. Et elle venait avec... vous avez votre micro, comme ça ? On lui tendait le micro, puis nous chantait... allez, des porions ou des trucs comme ça, voilà. Et puis, ça a été, enfin, c'était vraiment extraordinaire, quoi. Extraordinaire. On nous avait dit à l'avance, c'est pas la peine d'aller là-bas, il n'y a rien. C'était Louis Join qui disait ça. Hein ? C'est Louis Join qui disait oui, ça. Oui, il n'y a rien, c'est pas la peine. C'est incroyable. Hein, c'est incroyable. En 60. C'était en 71, ça. Ouais. Le premier truc. Louis Join disait ça en 60. Oui, ah ben oui. Alors, on doit aboutir, c'est pas la peine. C'est pas la peine, il n'y a rien. Bah, rien. Maguzite, donc je l'ai emmené après voir Marie Mandin en espérant créer une petite émulation entre les deux. Hein. Ben oui, l'émulation, mais oh, s'il y en avait une qui en savait plus que l'autre, ça n'allait pas très bien. Il hein. Faut dire que je marche pas. Non, ça n'allait pas très bien. Enfin, elle est venue quand même, parce qu'elle n'était jamais à la Bosse, ni au Devin, ni nulle part. Elle n'était jamais sortie de Barbate et de Normandie. Et elle m'a dit, eh bien maintenant, comme elle m'a dit, je peux manger des petacs jusqu'à la fin de mes jours, on me fera run. Tellement elle était. On y est retourné aussitôt, on y est retourné trois fois, avant le grand stage de 73 à Pâques. On y est retourné trois fois. Et alors, le téléphone arabe avait fonctionné, si bien que quand le stage de 73 a commencé, moi j'ai donné 85 adresses. Et 85. Ben, c'était la folie. Hein ? C'était la folie. De la folie. Jamais vu... Ouais. Moi j'ai donné, voilà, j'avais pris 85 adresses. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que... Par exemple, Madame Bézeau, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nom, Madame Bézeau. C'est non, ça, non. Alors, il y en a beaucoup de Bézeau là-bas. Alors, donc, Madame Bézeau m'attendait le matin pour que je la coiffe. Elle m'attendait jusqu'à 10 heures, ses cheveux défaits sur les épaules, parce qu'elles avaient, les noires moutrines avaient donc un filet, elles retenaient leurs cheveux avec un filet, et leurs cheveux, elles les roulaient sur un genre de boudin fait par les cheveux qui tombaient, qu'elles ramassaient depuis leur puberté. Donc depuis qu'elles étaient, depuis leur puberté, elles enroulaient leurs cheveux autour d'un galon, et à force de les enrouler, ça finissait par faire un petit boudin de cheveux, comme un boudin à peu près. Et donc il y avait un galon qui traverse ce boudin, elles roulent leurs cheveux par en dessous, elles nouent le galon dessus, et elles mettent un filet qui est crocheté, un filet au crochet par elles, un filet noir crocheté. Donc moi ça m'avait intéressé, parce que pour poser les coiffes maraîchines après pour les spectacles, ça m'avait vraiment intéressé. Donc voilà, alors Madame Bézeau m'avait attendu pendant deux matins de suite pour que j'aille la coiffer et lui poser sa coiffe. C'était extraordinaire, extraordinaire. Et donc il y avait aussi eu, qu'est-ce qui avait été, ah oui. Alors bon, le petit François Ganachot, bien sûr, c'était un puits de science hein, pour son île. Sauf qu'un jour, en visitant le château, il est tombé du haut en bas des escaliers. Il a roulé, il s'est relevé. Oh, il me dit, vous inquiétez pas, quand je tombe jamais de haut. Moi, j'ai la peur de ma vie, hein. Enfin bon, voilà, des anecdotes. Noirmoutier, c'était des jeunes,
très jeunes qui ont enquêté là-bas. Mais très jeunes, hein. 15-18 ans. 15-18 ans. Ils étaient enthousiasmés. Et après, ils sont venus se joindre à nous. Il y en avait deux partenaires qui étaient profs là. Les Lacombes sont venus au dernier coup. Voilà, on est donc allé préparer le grand stage de 73 trois fois. La même équipe, hein. La même équipe à peu près, trois fois. Eh bien, moi, pour moi, c'est une expérience unique. C'est unique, vraiment. Je n'ai jamais vu un foisonnement magazine, 300 chansons, quoi, entières, à table. À table, je me rappelle André mangeant en face de Magazine à la cantine. André savait plus où il en était, il lui tendait sa fourchette au lieu du micro. On ne fournissait pas, quoi. Ouais. On ne fournissait pas. Il fallait toujours avoir un micro prêt. Tout le temps. On avait toujours un micro à côté et un magnéto prêt à fonctionner. En voiture, elle chantait tout le temps. Elle chantait tout le temps. Il n'y avait pas moyen de l'arrêter. Je disais, Magazine, mais je ne peux pas conduire et vous enregistrer. C'est pas possible, quoi. Alors, le bruit de la voiture couvrait la voix. C'est une horreur à documenter. Hein ? C'est vrai ? C'est une horreur à documenter. C'est pas ça. Il y a des documents comme ça, quoi. Impossible de l'arrêter. Impossible de l'arrêter. Et alors, elle avait une chanson pour chaque circonstance. C'est-à-dire, à déjeuner, par exemple, au repas, elle voyait le pain, allez, je prends mon petit couteau et je coupe le pain, elle connaissait une chanson. Et verse à boire, etc., elle connaissait une autre chanson, et voilà. Il y a un gars qui rentre avec un chapeau. Oui. Chaud chapeau. Voilà, c'est ça. Elle avait une chanson pour chaque circonstance de la vie. Je vais vous dire, moi, que Noirmoutier, bah, pour avoir dépouillé ces différents temps, la Noirmoutier, et cette fameuse enquête 73, l'émotion et ce que vous avez vécu à Noirmoutier est complètement communicatif. Moi, je me souviens avoir pleuré quand Magusit vous a dit au revoir, Marguerite, parce qu'on sentait qu'elle n'arrivait pas à vous laisser partir, et il y avait ce fichu gouin qui posait problème, et André qui disait faut y aller, et Magusit qui trouvait toujours le moyen de vous retenir. Elle m'a dit, j'ai jamais été aussi heureuse. Oui, mais elle le dit. Ouais. Parce que moi, j'ai ramassé que des pétacles toute ma vie. Ouais. J'allais les vendre à Noirmoutier, à pied. Elle doit sa survie à l'estran. Oui. Hein? Quand elle n'avait plus rien à bouffer, elle allait sur la plage, à Maribas, et ramassait les couteaux, et ramassait tous ces trucs-là pour se nourrir et nourrir ses enfants. Et alors, moi, je dois ma survie à l'estran. Alors, à côté de Magazine habitait dans un petit appentis avec un toit en pente qui était attenant à la grande maison où vivait sa fille. Mais elle ne voulait pas quitter son toit, comme elle disait. Et c'était un toit en terre battue. Elle avait comme meuble un fauteuil défoncé où on mettait par-dessous des journaux pour pas complètement traverser. Elle avait un petit réchaud à gaz tout à fait ordinaire. Et elle avait son lit vendéen et sa cheminée vendéenne dans un coin. Voilà, c'était la seule chose. Mais elle était toute seule dans cette maison et elle ne voulait pas aller ailleurs. Et la poutre de son toit, de son magasin, était une poutre de navire avec les... Un mât de navire avec les chiffres romains. C'était un cadran solaire, en quelque sorte, qui était sur... Voilà. Ça, c'est extraordinaire, on se lasse. Et donc, sa fille qui s'appelait, que tu as connue, Émilienne. Était là à côté, un peu gendarme au début, hein, un petit peu gendarme. Laissez-la donc tranquille, vous la fatiguez. Mais protectrice, pas embêtante. Quoi, voilà. Et puis un jour, je lui dis, mais Émilienne, vous ne pourriez pas nous chanter quelque chose ou nous danser quelque chose ? Ah, si, elle attendait que ça. Elle n'attendait que ça. Et puis, elle a dansé la bachule. Elle a collaboré après. Elle a collaboré tout le temps. Il suffisait de la mettre dans le bain, quoi, elle aussi, parce que c'était ce dont elle avait envie. Hein. Au niveau personnel et au niveau de la marchandelle, quelles ont été les conséquences de ce moment Noirmoutier, les conséquences pour la marchandelle,
ça a été Pibol, ça a été Gérard Baraton, ça a été et ça a été un regain d'intérêt. Babette et Cathy. Cathy qui a dansé la bachule avec toi, avec Émilienne, pour apprendre la bachule. J'étais dans son équipe, à Cathy. Ah oui. Voilà. Donc, ça a été un regain d'intérêt. Bon, alors, eux, ils n'avaient pas participé pour la majorité. Hein. J'avais que les deux filles, puis j'avais donc... Pibol. Pibol qui avait oublié sa contrebasse. On avait... quand il est parti, il avait... Oh, j'ai oublié ma grand-mère. Alors, la grand-mère, c'était la contrebasse, et on n'avait qu'une de chevaux à l'époque. Alors, bon. Mon mari, quand il l'a emmené... Bon, bref, ce sont des anecdotes. Et... Oui, pour la Marchandelle, ça a été très, très positif. Comment ça s'est concrétisé? Il y a eu, après 73, il y a eu Verluy 74, et on était 15 de la Marchandelle à Verluy 74, à danser. La geste paysanne. La geste paysanne. Ça a été immédiat. C'était la geste paysanne. On a travaillé tout l'hiver sur des chants, sur les danses, et puis après, on avait... Combien de musiciens, 3-4 musiciens de la Marchandelle. Et puis on avait 15. Tous les groupes. Il y avait la Marchandelle, il y avait des participants d'un peu partout. Pas tout le monde de la Marchandelle. Il y en avait qui ne voulaient pas. Les ballets populaires Poitevin. Les ballets, ça. Ça fonctionnait comme l'équipe de foot de France. On prenait les meilleurs dans chaque. 67 régions. Voilà, c'est tout. Alors est-ce qu'on peut faire le lien là avec. La fin 73. Viviane.